Oh.
si je vais emporter mon poème. C'était pour la vie et pour toi, pour que tu me sentes dans ta vie du côté de ma vie. Je sais que ça fait 15 ans que je le dis, mais là, vraiment. Je vais vous raconter, je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas encore dit durant la tournée Amour, etc., qui a commencé au mois de septembre, déjà l'année dernière. L'idée de ce concert est née dans ces murs, dans les murs de ce théâtre, il y a à peu près un an et demi. Donc, véritablement, l'émotion que je ressens maintenant, ça ne se mesure pas. C'est vraiment énorme, merci beaucoup, merci d'être là. Je ne pourrais pas continuer ce concert sans approfondir un petit peu cette idée du théâtre de l'œuvre et sans remercier deux personnes sans qui cette soirée n'aurait pas eu lieu. Je voudrais remercier très 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 fort mon amie, ma chérie Anaïs Thillet et
son chéri, mon ami, peut-être un peu mon chéri ce soir aussi, parce que c'est amour, etc. François-Xavier de Maison, merci les parents. Merci pour ce cadeau. Amour, etc. est une sorte de suite de mon spectacle Chopin, etc., que j'avais créé il y a quelques années déjà et dans lequel je rendais hommage à Frédéric Chopin et avec lequel j'ai pas mal tourné en France et en Pologne, mon pays natal. Amour, etc. est une compilation de chansons d'amour qui me sont importantes, qui ont marqué ma vie. Il y aura donc les chansons de mes précédents albums, des extraits de ce projet Chopin, etc., justement, mais aussi les standards de chansons d'amour que vous connaissez tous, comme la chanson avec laquelle j'ai commencé ce concert, cette magnifique chanson de Jacques Brel. J'ai tout de suite enchaîné avec une composition à moi, pour laquelle je me suis inspiré Frédéric Chopin. Et maintenant, je voudrais vous interpréter une chanson d'amour pop que j'ai sortie au tout début de ma carrière, en 2005. Vous allez voir, très souvent, ces chansons, en fait, elles n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Mais l'amour, il est comme ça. Bravo, oui. Bravo, l'amour. Il surprend, il réunit, il n'a pas de fil conducteur, malheureusement, souvent d'ailleurs. Ça aurait été trop facile. Il n'a pas de couleur de peau, il n'a pas de sexe. Il est tout simplement amour, etc. Bonne soirée à tout le monde.
Je pense qu'il est grand temps que je vous explique le titre de cette soirée. Parce que ça ne s'appelle plus Amour, etc. Mais ce soir, exceptionnellement, Amour, etc. et Femmes. Et pourquoi? En fait, je suis en tournée depuis le mois de septembre avec ce concert Amour, etc. J'ai déjà fait 3 dates parisiennes. D'ailleurs, j'aimerais bien embrasser très très fort, ici présent dans la salle, Gérald Daron et son épouse. Qui m'ont accueilli et qui m'ont fait confiance et qui m'ont dit de ce projet. Et quand François Xavier m'a proposé enfin de jouer dans son théâtre, non, c'était une petite blague, je me suis dit ce serait bien de,
de lui offrir, de vous offrir une soirée unique, exceptionnelle et sans précédent. Et c'est là que l'idée m'est venue d'exprimer mon amour que j'ai pour les femmes. Parce que ceux qui me connaissent, ils savent que dans ma vie intime, je suis marié à un homme, j'aime les hommes, je fais l'amour aux hommes. Mais j'aime les femmes. J'adore les femmes, j'admire les femmes. Je les envie parfois aussi, mais je les aime. C'est pour ça que j'ai commencé à porter des talons aiguilles un peu. Voilà. Mais je les aime. Et je me suis dit, il n'y a pas meilleur moyen d'exprimer cet amour que tout simplement de faire une soirée dédiée aux femmes et d'inviter 5 femmes exceptionnelles sur scène, 5 artistes féminines qui sont toutes différentes, mais toutes les 5. Elle me fascine, elle me bouleverse, elle m'inspire. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on invite sur scène la première. Attention, la première. Ah oui, je voudrais juste dire que ça fait des années qu'on rêve de faire ce duo. Et ce soir, c'est le moment. La première femme de la soirée, Amour, etc. et femme au théâtre de l'œuvre, est mon amie Karine Ferry! Et surtout de partager ce moment avec toi, Michel, parce que je t'aime beaucoup depuis longtemps. Merci, moi aussi, je t'aime très très fort. Karine Ferry. Me montre son visage.
Dieu me demande. Si cet amour aura un lendemain, je suis loin de lui. Je suis loin de lui. Je suis loin de lui. Je n'aime plus vraiment toute ma tête. Je pense que c'était un moment fort aussi pour Karine parce que c'était une première et peut-être ça va être la même chose pour vous. Est-ce que vous avez déjà chanté du Chopin? Ah, vous m'avez cassé ma blague. Vous venez trop au concert, amour, etc. En fait, oui. Alors j'ai entendu un grand nom. Je fais, ah, mais ce sera la première fois ce soir. Ah, voilà, bon. Oh, bah, ce sera une grande première pour vous tous ce soir au Théâtre de l'Œuvre. Oui, parce que il y a cette valse qui me hante depuis que je suis tout petit. C'est une valse de Chopin. Cette valse, c'est la valse en La mineur. D'ailleurs, je vais vous jouer juste le début de l'original. Écoutez bien, parce que la mélodie que je joue avec ma main droite, vous la chanterez dans à peu près une minute, ok? C'était un tube. Ok, alors écoutez, ça va être facile. Il n'y a pas de parole, ce sera ah. Et en plus, j'ai changé de tonalité, donc ça va être plus abordable pour tout le monde. Donc on passe de La mineur à Mi mineur. Ok, c'est surtout plus abordable pour moi, j'avoue. On va faire une petite répétition. Donc n'ayez pas peur, c'est ah. Je vais chanter d'abord moi, ensuite vous répétez après moi. D'accord? Ok, super. Effectivement, pour la composer, je me suis inspiré de cette valse en La mineur de Chopin.
Pourquoi je me torture, ça, il faudrait poser la question à Daniel Castano. Apparemment, c'est pas toujours simple pour lui. En tout cas, ce n'est jamais simple en amour, on est bien d'accord. Et souvent, c'est de la torture, mais on aime ça. C'est ça le pire. Elle parle oui, oui, là-bas, oui. Mais moi aussi, je dis oui. On se réveille, on est heureux, on dit merci, l'amour, c'est magnifique. Une heure après, enfin, 1 heure 10 minutes après, on a envie de chanter cette chanson. Et on y va, je me torture. Oh,
Chanson d'amour en anglais de ce soir. Comment on dit je t'aime en anglais? C'est facile ça. Et comment on dit tu me manques en anglais? I miss you. Ah voilà, justement, j'allais parler de ça. C'est vrai que j'ai remarqué que parfois, en fait, j'ai déjà vu des gens qui disaient you miss me. Faut pas te confondre, c'est vrai que. Le sentiment reste le même, on va dire que ça. Mais effectivement, c'est I miss you. Oui, oui, you smile. Yeah, oui, I miss you. Et comment on dit je t'aime en portugais? Non. C'est un peu moins évident là, du coup. You miss me. Oui, you miss me. Écoutez, si je vous demande ça, c'est parce que maintenant, on va parler d'un mot en portugais. Et pour que cela puisse se produire ici sur cette scène du Théâtre de Love ce soir, j'invite sur scène une artiste qui me fascine et qui me fait cet honneur d'être là ce soir avec moi, mesdames, messieurs, Lio! Merci Michel, c'est un plaisir et un privilège pour moi.
Merci beaucoup. Ah, c'est une chanson un peu triste, mais je compte sur votre joie. Alors, moi, Lio, je voudrais vous remercier, parce que c'est vraiment un honneur pour moi de vous recevoir sur scène ce soir. Et je voudrais vous dire que j'adore cet album en portugais. J'avais vraiment envie de chanter une des chansons de cet album, parce que je trouve ça d'un romantisme absolu. Donc, merci d'être là avec moi. Oui, parce que moi, j'étais prête à tout. Hein, mais... j'en suis ravie, vraiment. Et donc, nous allons vous chanter cette magnifique chanson qui s'appelle... Nesta rua tão deserta, dans cette ruelle toute déserte.
Long du chemin, j'accueillis tes pensées jusqu'à la place de Milan. Mais je me retiens de t'offrir ce bouquet, car mon cœur n'habite plus chez toi. De mon premier album, bien évidemment, je pense à la Pologne, à mon pays natal, parce qu'il est sorti en 2004, ça ne faisait que 2 ans que j'avais quitté la Pologne, et c'est pour ça que je suis obligé de vous chanter quelque chose en polonais, et même de parler polonais. Tu sens polonais, c'est Nassali. Bravo, bravo. Kochani, jak się macie?
Chciałbym oczywiście nie mógłbym śpiewać o miłości i nie zaśpiewać piosenki o w polskim języku, dlatego że tych piosenek mamy tyle przepięknych piosenek o miłości. I chciałbym dla was wykonać jeden z najbardziej kultowych utworów o miłości z początku lat 90. Dobrze, kochany. Powiedziałem mi buzi. Ja bardzo dużo się całowałem przy tej piosence, którą wam teraz zaśpiewam. Zrobiłem to oczywiście bardzo taki niezręczny sposób, bo miałem chyba z 10 lat, ale pamiętam, że chowałem się po bramach, po parkach, po wszystkim. Jestem pewien, że większość z was tutaj w tej sali zrobili to samo. Oczywiście nikt się nie przyzna, ale wiadomo, że tak było. Mam nadzieję, że rozpoznacie. Myślę, że tak. W każdym razie bardzo wam dziękuję za wasze wsparcie. Wszystkim Polakom tutaj, którzy mieszkają w Paryżu, którzy przychodzą na moje koncerty. Bardzo wam dziękuję, jest to dla mnie bardzo ważne. Dziękuję. I teraz oklaski, dziękuję. A teraz piosenka. Jedna z moich ulubionych. Géographiquement, donc en 2002, j'avais 18 ans, j'étais encore tout petit, et c'est vrai que j'étais obligé d'apprendre à vivre sans eux, quelque part, c'est vrai. Je pense que je m'en suis plutôt pas mal sorti, mais
ils m'ont manqué énormément depuis le début, surtout ma grand-mère qui m'a élevé et mon petit frère que j'ai un petit peu élevé. Et on a la chance de l'avoir ce soir dans la salle, mon frère David. Je suis très 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 ému. David, nagradziś pokochany, chciałbym oczywiście zadedykować Ci następny utwór, podziękować Ci za to, że jesteś dzisiaj tutaj ze mną w ten tak bardzo ważny wieczór. Przede wszystkim podziękować Ci za to, że jesteś tak cudownym człowiekiem, że jesteś w moim życiu. Kocham Cię. Je viens tout simplement de lui faire une déclaration d'amour qui m'a fait pleurer. Merci beaucoup d'être là. Mon frère est un être extraordinaire, extraordinaire. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est extraordinaire.
souvenir de cette chanson, je vois plein de visages qui connaissent par cœur, je pense. Tu m'aimes. D'une artiste que j'aime énormément, je ne dirais pas que j'aimais énormément, que j'aime énormément, qui aurait dû être là, j'aurais adoré en tout cas qu'elle soit là, et je pense qu'elle en avait envie aussi. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a longtemps déjà, en 2003, avec qui j'ai partagé des moments extraordinaire, des moments de musique, des moments de vie tout simplement. Je ne vais pas vous mentir, nous n'étions pas amis, mais c'était ma copine. Et j'aimerais bien lui rendre hommage ce soir. Bien évidemment, je parle de Morane, mais... Et attention, c'est pas fini des émotions, parce que pour faire ça, j'aimerais bien inviter quelqu'un sur scène. Alors, je ne pensais pas qu'un jour j'allais tomber amoureux d'une fille qui... Déjà, je pensais pas tomber amoureux d'une fille tout court. qui... qui deviendra mon amie, qui deviendra ma complice, qui deviendra... mon collaborateur aussi, qui deviendra la femme qui chante à mon mariage, qui deviendra ma sœur. Je ne pensais pas un jour avoir la chance de tomber amoureux d'Élodie Frégé. Dans les flaques.
qui se foutent de Mozart, de Bach. Je t'aime.
Maintenant, j'aimerais inviter sur scène une femme qui a tellement compté pour moi. C'est incroyable qu'elle soit là avec moi ce soir. Je vais vous dire un secret. Je pense qu'elle a fait mon éducation sexuelle quand j'étais petit, alors que j'avais 8 ans, mes parents étaient ravis. C'est vraiment une énorme fierté pour moi de la voir ce soir, comme pour tout le monde, je pense, comme pour tout le théâtre de l'œuvre. Mesdames, Messieurs, Madonna ! Merci à vous, Madonna ! François, Xavier, t'es là dans la salle ou pas? Oui, oui. Tu sais, elle est où? Elle est à côté de Ok. Bon, bah, je me suis fait planter, c'est ça en fait? C'est comme dans l'amour, hein? C'est comme dans l'amour. Écoutez, alors moi, je travaille. En 3 mois, je prépare une soirée que je dédie aux femmes et elles viennent pas. Je sais pas. Ok, bah écoutez, je vais pas me laisser à barre, je vais chanter la chanson qu'on était censé chanter avec Madonna. Tout seul. Ou avec vous. Thank you.
I'll be yours till the end of time, 'cause you make me feel. Parce qu'on a avec nous ce soir la douceur incarnée, une voix magnifique, une femme que j'adore et qui me fait vraiment l'honneur d'être là ce soir. Mesdames, Messieurs, Romane Serda. Magnifique. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Waouh. Wow. Oui, viens. N'aie pas peur. Je sais que j'étais légèrement obscène. Elle était juste en face. Je me suis dit non, elle voit tout, elle vient là-bas. Surtout que nous allons chanter une chanson magnifique. Merci ma Romane, j'en profite. Voilà. Merci d'être là. Merci à vous. Thank you.
Qui inspire beaucoup, mais pas que dans la musique, il y a aussi le cinéma. Et j'aimerais maintenant vous parler de deux films qui m'ont vraiment marqué quand j'étais petit. Donc, certes, ce n'est pas du très 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 grand cinéma intellectuel, mais en tout cas, ça reste des films qui me semblent le plus important en fait par rapport à mon enfance. Et ce sont des films d'amour, bien évidemment. Il y en a un dans lequel l'amour se danse, il y en a un où l'amour se paye. Il y en a un dans lequel Julia Roberts incarnait le rôle de la jolie fille. Oui. Et dans l'autre, j'étais tout petit et pourtant j'ai commencé à me poser une question. Que je me pose toujours d'ailleurs, je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Est-ce que je préférais être Johnny ou Baby? Next to me,
She leads me to moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, she doesn't know what she's done. Feeling breath on my face, her body close to me. Depuis ton départ, l'ombre de ton absence
me poursuit chaque nuit et me fuit chaque jour. Je ne vois plus personne, je fais le vide autour de moi. Je ne comprends plus rien parce que je ne suis rien sans toi. J'ai renoncé à tout parce que je n'ai plus d'illusion de notre amour. Écoute la chanson. Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne pars pas, j'en mourrai un instant sans toi. Et je n'existe pas, oh mon amour, ne me quitte pas. Maintenant, je voudrais inviter sur scène une artiste qui a une voix extraordinaire, envoûtante. Je suis tellement fier de l'avoir sur scène avec moi. Vous allez voir que c'est assez incroyable. C'est une expérience vraiment très, 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 très intense. Et en plus, elle a des origines italiennes, tout comme moi. Oui. Oui, 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 je suis, en fait, depuis juillet 2017, je suis italien. Mais je ne sais pas pourquoi vous me donnez, en fait, je suis italien, je m'appelle Michal Kwiatkowski Asenza. D'ailleurs, j'en profite pour embrasser très très fort ma belle famille qui est dans la salle ce soir. Mon mari va encore me traiter de faillot, mais j'assume, voilà. Mesdames, Messieurs, maintenant justement cette expérience inédite et très très intense dont je vous ai parlé, Victoria! Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci pour ton invitation, Michal. Merci de l'avoir accepté, surtout. Je sais qu'on se connaît peu, oui. Mais je crois qu'on a déjà beaucoup de tendresse l'un pour l'autre. C'est clair. ce duo, ce soir, cette soirée, prend une dimension complètement différente, puisque comme vous le savez, il y a quelques jours, nous avons perdu une grande artiste qui était une amie de Michal et moi, Morane. Elle préparait un album hommage à Brel. Ce soir, c'est nous qui allons chanter Brel, et c'est nous qui allons lui rendre hommage à Morane. Morane, I'm telling you.
quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ja deszczowym dniem ci przyniosę ziem, gdzie nie pada deszcz, pereł deszczu sznur. Jeśli umrę smur, spłynie do twych rąk złoty światła krąg. I to będę ja spośród ziemskich spraw. Miłowanie me będzie pierwszym spraw. Królem stanę się, a królową ty. Nie opuszczaj mnie, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Z nich łączę wasz, jak się serca dwa pokochały, no przekór ludziom złym. Z nich łączę wasz, o tym królu, co umarł z żalu, bo nie mógł kochać cię. Nie opuszczaj mnie, nie. Nie opuszczaj mnie, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il des terres brûlées de nos plus de blé. Qu'un meilleur a pris et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie. Le rouge et le noir ne s'épouse-t-il pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus parler, je ne vais plus parler, je me cache là. À te regarder danser et finir, à t'écouter chanter et puis vivre. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Victoria. Michel, s'il vous plaît. Merci, merci encore pour ton invitation. Bravo. Michel est une très très belle personne. Vraiment. Victoria, merci. Je ne sais pas très bien comment m'en sortir maintenant, parce que j'aimerais tellement rester avec vous toute la nuit. Et en fait, on vient de chanter « Ne me quitte pas » et je vais vous quitter. Bien évidemment, avant de faire ça, j'ai quelques remerciements à faire. Je voudrais remercier surtout, encore une fois, mes femmes, Mélodie Frégé, Karine Ferry, Romain Serra, Victoria. Je vous remercie.
merci beaucoup. Je pense que cette soirée, c'était une bonne idée, n'est-ce pas? Merci beaucoup à toute l'équipe du Théâtre de l'Œuvre. Merci, merci. Tout à l'heure, j'ai parlé de François Xavier, mais Mathilde Fagnon, la Benoît Lavigne aussi. Merci beaucoup à Johanna et à Léo à la régie. Merci à mes amis Vanessa et Aurélien pour l'habillage visuel. Merci Vanessa au contraste, Vanessa qui est dans un avion en ce moment. Je voudrais remercier Yamaha pour ce bel instrument qui est là sur scène avec moi. Vraiment merci. Je trouve ça extraordinaire de se faire une grande voix comme ça pour un tout petit artiste comme moi. Vraiment, ça me touche énormément. Alors, maintenant un petit peu plus personnel, merci beaucoup à toute ma famille. J'espère que tout le monde se reconnaîtra, à tous mes amis. Merci à mon mari de m'avoir supporté ces derniers jours. Comme à chaque fois avant le concert parisien où je deviens légèrement insupportable, tout simplement. Oups. Mais mon amour, tu vois, ça vaut le coup en fait. Et bien évidemment, merci à vous tous d'avoir partagé cette belle soirée avec moi. Merci beaucoup à tous ceux aussi qui sont là depuis 15 ans. Parce que attention, cette année, on peut même dire que ce soir, on fête les 15 ans de notre rencontre. Allez, on va dire les choses comme elles sont. Cette année, on fête les 15 ans de carrière de Michal. Voilà, merci pour ces 15 ans, pour ceux qui sont là. C'est un super cadeau de le fêter pour moi ici au Théâtre de l'Œuvre. Merci beaucoup. Je vais vous dire au revoir avec une chanson avec laquelle j'aurais dû commencer ce concert, avec laquelle j'aurais pu commencer tous les concerts que j'ai jamais fait de ma vie. Comment ? On recommencera après. Oh. Pourquoi ? Parce que c'est une chanson qui est dédiée et qui parle de la personne qui m'a apprise à aimer, qui m'a dit « je t'aime » pour la première fois. Bien évidemment, il s'agit de ma maman. Et tout en douceur, j'aimerais même si, bien évidemment, je lui dédie cette chanson, mais je vous la dédie à vous pour vous remercier. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de santé, de réussite, mais surtout beaucoup d'amour, etc. Thank you.
s'en aller. Maman, je voyais filer des chevaux dans les sonates qui passaient, comme ta main sur mon habit.
Thank you.